Avant qu'il n'arrive, ça ne va pas mon crasseau, et je savais déjà.
Lui, il avait déjà dit, il y a quelque chose dans la cour, en télé, à des personnes, je dis, et j'ai déchiré la chair humaine, disons, j'avais un carnet, j'avais des trucs, des anneaux, des aigus, des anneaux, des aigus, un caméléon, tout ça, voilà. Le temps de télé, son papa l'avait déjà programmé, c'était quand? On l'a amené trimballé partout. Et son papa m'a dit, pendant que sa maman avait une prolésie arénale, son cœur, un médecin, il devait mourir, tout était planifié. Et pour ma voix, c'était vraiment difficile. Oh, ils sont tombés sur moi. Ils envoyaient quelqu'un à la grâce de Dieu. Je suis rentré dans la maison, je leur ai tranquillisé. J'ai dit, la situation se contrôle. D'ici deux jours, vous allez voir la chose, vous enterrez. Parce que leur provocation parlait d'été. Je l'ai déterré devant eux. Après que la chose voulait même m'avaler. Oui, ça me boulait. Il a pris. Parce que moi, j'ai une rage. Quand il m'a dans le combat, j'ai une rage que j'ai envers les autres associés. Je suis tellement enragé dans le combat du diable. Je me dis, je suis vainqueur. Que lui, malgré ça, puis j'ai fait ça. Son papa, nous, il a fait église quand il allait même. Il a écrit, il a fait dans la maison. Il a fait nous, on a amené tout fétiche là après. Là, il est fatigué. On arrive pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à résoudre le problème des gens à fond. Voilà. Ils banalisent le ministère des profits. Il faut prier, il faut prier. Le ministère ne peut pas prier. Il faut une orientation. Le solution, il faut enlever les choses quelque part. Il faut les détruire. Non, on va prier comme ça pour les détruire ça. Aujourd'hui, sa maman aussi. C'est bien dans le foyer. Lui, on ne croyait plus trop en lui. Souvent, on le voit. Si lui met la dernière chose, on le voit. Quand je suis dans la voiture, et quand on sent, tu dis, quand je suis dans la voiture, tu bloques le vide. Tu bloques le vide, il m'a confondu avec sa voiture. Donc son papa, sa confondu tout autour de la voiture. Donc son papa, quand les deux yeux se croient, il a peur. Son papa a peur de lui. Il le voit dans la rêve, ma chaise. Donc en disant, c'était un problème. Il dit non. Mon fils est là. Mais je le vois, il dit, non, c'est pas du courant en lui. Tu n'as pas répondu. Vous savez, quand tu ne crois pas quelqu'un, tout ce qu'il va faire, c'est zéro. Et le diable prend ça pour t'attaquer. Je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré. Je l'ai d'abord envoyé chez moi à la maison. Mais chez moi à la maison, je l'envoie à sa repos. Le former. Lui met donc en face d'une réalité. Il vit dans le luxe. Son papa a l'argent, tout ça. Il a quitté là-bas. Il allait dans un village. Il a fait des mois. La rentrée est venue du dans son père, on discute. Il faut qu'il mette à l'école. J'ai décidé de le prendre ici, à niveau, le mettre à l'école. Il dit, si c'est retrouvé dans ce genre de situation, ça coûte la sorcellerie. Mais lui n'est pas mauvais. Mais c'est ce qui en a vu qui était mauvais. Qu'on a enlevé. On peut en faire problème de foi maintenant. Qu'on a eu raison de courir en lui. T'as compris? Il faut démontrer aux gens qu'on a eu raison. Je t'ai laissé à sa recours, tu as eu des prières, tu as eu des amis, camarades. L'homme, mais la sorcellerie, je pense que c'est banni du papier. Il remet ta tête. La bouche est là, tu remets ta tête. C'est fini. Vous voyez? S'il ne marche pas, les gens ne croient pas en lui, ils vont le tuer. Ils vont faire des maillots dans les. Il est obligé de dire oui. Pour qu'on le laisse. Tu es dedans, tu mens, tu es dedans. Si il dit oui, pourquoi l'amener? Ils vont les faire des maillots, ils ne vont jamais faire sa délivrance. Il est dans un endroit où les gens font en lui. Et c'est comme ça. Il est rentré hier, par la grâce de Dieu. J'ai trouvé une école ici. Il va vivre avec moi pendant le temps. Et tout ça, pour qu'il puisse lui-même demain avoir un foyer, des enfants. Et c'est ça le foyer des régions. Dans nos églises, on nous met dans la tête, quoi que ce soit. On nous met dans la tête, il faut tuer. Non, le sorcier, on doit lui tuer. C'est pas faux. Mais c'est un être humain. Amen. C'est un être humain qui peut sauver les gens. Jésus même dit qu'il est le malade, il est le médecin. Et les gens sont malades. C'est pour ça qu'ici, à Peniel, nous présentons la sorcellerie comme une maladie. Amen. Amen. Si vous avez des bonnes sorcelleries, vous envoyez ces cas, nous pouvons les aider. Une fois un sorcier délivré, c'est fini. Il faut maintenant manifester la compassion. Il faut entourer de l'amour, il faut les encadrer. Et tout ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette jeunesse. Tout cela, je les emballe, le plus d'air, pour le Satan.
vous dites, je ne suis pas contre vous. Hein? Celui qui va vouloir se mélanger, prenez, voilà. Va sortir. Quelques habits, allez-y, monsieur. Vous ne pouvez pas commencer à te former là. Non, vous ne laissez pas choisir. Prenez soin du centre. Prenez soin du centre. On a démarré, oui, on fait confiance. On a toujours plus 40 personnes comme ça. Ils sont sous ma charge. Voilà, donc de temps en temps, si vous êtes de passage, soutenez ces personnes. Aidez-les. Aidez-les. Il y a des gens, cette année, là, je suis confronté à certaines réalités. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont parmi nous, dont les enfants vont à l'école. Il faut les scolariser, c'est important. Donc la rentrée, je suis en train de préparer la rentrée de certaines personnes. Voilà. Donc par moi, pensez à nous. Hein? Pensez à nous aider. Parce qu'avec l'argent, on peut aller plus loin. Voilà, avec l'argent. Souvent, on pense que c'est cher, c'est comme sa maison. Mais on a besoin confronté à certaines réalités. Il y a des pasteurs qui sont en plein temps en train de prier pour vous. Qu'on vous aide à t'aider. Ces personnes nous ont besoin d'être aidées. Là, cette maison à Rio, oui, c'est trop cher, mais c'est 150 000 nous payons ici. Oui, si, si. On nous a fait pour ça 150 000. 150 000 qu'on nous prenons ici. Il y a la maison ici, à côté ici. Il y a le véhicule, il y a le chauffeur. Il y a tout un personnel au niveau des avocats. C'est tout un monde. Il faut nourrir. Il faut vertir. Il faut les soutenir. Il faut leur donner au moins que minimum quelque chose par mois. Si on veut compter sur vos offrandes, on ne gagnera rien. Donc, de temps en temps, par la grâce de Dieu, pensez à nous aider. Amen. Que le Seigneur nous tenir debout. Et nous allons prier ensemble le Seigneur et confier la vie au Seigneur. Demandons au Seigneur de bénir chaque jour. Prions ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Ok, nous allons en merci déjà. Attends, donne-moi. Tiens. Tu vas me remettre ça? Voilà. C'est une sœur qui doit te présenter. Bonjour à la diaspora. Je suis Barbara. Je suis venue voir le prophète Crasso. Et je fais un petit geste. C'est vrai qu'il faut qu'on aide Pléniel. C'est vrai que moi, je viens de découvrir toutes les souffrances ici. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a plein de choses à faire. Donc, pensez à vos familles. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Donc, à vos familles, à vos frères, si vous aimez vos parents, la sorcellerie existe. Voilà. Moi, ça fait des années que je suis en France. Mais c'est comme si hier je suis arrivé. Tout ce que je fais est bloqué. Tout ce que je fais. Donc, vraiment, ici, venez, n'ayez pas peur. On dit souvent, oh non, mais attends, pourquoi il faut sortir des sous? Non, mais c'est pas possible. Ici, c'est pas une église catholique. L'église catholique, ils sont riches. C'est pas du tout la même chose. Ici, on a vraiment besoin, ils ont besoin d'argent. On a besoin de donner. Donc, faites des gestes. Le peu que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai fait. Donc, faites-en, n'ayez pas peur, venez déjà. Mais les filles, les fatiguées de Paris, les filles, vous qui souffrez, les maris, là, on vous laisse, on vous fait souffrir, le mec vient là, il s'habille en Prada, pourtant c'est le diable. Venez ici, Papa Crasso est là, vous allez retrouver le sourire. Amen. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, vraiment merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse, tu vas mettre ça là-bas, on va penser comment... de partager sur vous. Merci beaucoup. Habillé symboliquement. C'est qui? Adam, c'est qui? Merci. Prenez-le. Adam, c'est un présent. Pourquoi? Que non, mais c'est pas faux. La question est symbolique. Habillez-le. Merci. Merci. Merci.
Ça te va bien en plus. Ouais, mais c'est après le coup. Ok, merci beaucoup. Non, ça lui va bien en plus. Ok, que Dieu bénisse. Ici, appelé Jasmané. Après la prière matinale, nous nous rendons ici pour régler tous les problèmes d'esprit. Il y a des esprits qui vous suivent, il y a des esprits qui contrôlent vos vies. Aujourd'hui, c'est pratiquement jeudi. Vous avez 30 minutes. Donc, on le mettait ça, parce que à partir de jeudi, les données changent. Vous allez prier pendant 30 minutes. Donc, on le mettait. Ici, les gars, il est 6h30 en amont. À 7h30, nous allons passer notre étape. Vous allez vous tenir debout. Vous allez prier pour que les esprits de sorcellerie, toute forme des esprits qui est jetée dans vos vies, que Dieu quitte vos vies. Vous allez prier. Prier, c'est-à-dire pendant 30 minutes, non-stop, tenez-vous debout. Je sais que l'enfant, ce n'est pas la consolation. Priez. Vous allez l'enfant, réveillez-vous. Priez. Vous attaquez les esprits, vous attaquez les esprits, vous attaquez les esprits. Ouvrez la bouche, ouvrez. Il ne faut pas chuchoter, il faut ouvrir la bouche. Priez, combattez l'esprit de la sorcellerie. Combattez l'esprit de la sorcellerie. Nous détruisons le pouvoir des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous délivre les vies, Seigneur.